Salut tout le monde, je m'appelle Célia et c'est une autre vidéo encore avec mes lunettes et encore enrhumées. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les achats que j'ai faits en fin de semaine au Pharmaprix. Ça a vraiment valu la peine parce que je pense que j'étais la dernière personne sur cette planète qui n'avait pas encore ma carte Optimum. Tadam! Donc maintenant je l'ai et j'ai eu ma carte Optimum et quand j'ai eu ma carte Optimum, elle m'a donné 10$ de rabais pour ma prochaine visite au Pharmaprix. J'ai reçu une carte de 10$ de rabais de chez Tim Hortons en plus. Donc, j'avais même pas commencé à magasiner, j'avais déjà 20$ qu'on m'avait donné. Donc, c'est vraiment agréable. Et j'y étais parce que j'avais besoin de médicaments à cause de mon tabarnouche de rhume et d'une teinture parce que je regardais mon vidéo des tags, les 99 tags, et c'est vraiment affreux. J'étais due, là, c'était comme dégueulasse. Là, c'est réglé. C'est fait. Donc, c'est ça. La teinture que j'ai pris, et c'est pas la première fois que je la prends, c'est... ça fait une couple de fois, c'est la première fois que je me teinture, que ça fait 3 fois que je fais de suite, parce que je suis satisfaite. Et c'est la Olia de Garnier, qui est une teinture qui est sans ammoniaque, qui est optimisée par l'huile, blablabla, blablabla, couverture de cheveux gris. Et... c'est un noir que j'aime parce que c'est pas un noir bleu, c'est un noir plus brun, plus naturel et mes cheveux sont vraiment doux après ça, je suis vraiment contente de la teinture et d'une teinture à l'autre, les cheveux vont perdre un peu de leur éclat mais la couleur elle ne changera pas et c'est vraiment apprécié et bon c'est sûr que quand on a les cheveux noirs c'est toujours plus facile à faire matcher. Et aussi ce que j'ai acheté pour mon rhume. J'ai pas acheté rien pour le rhume en tant que tel, ça c'est tellement mon genre là. Et j'ai acheté du Drixoral, tout le monde connaît ça, ça décongestionne le nez, j'arrive à parler grâce à ça. Et j'ai acheté aussi, c'est la première fois que je voyais ça, c'est du chloroseptique vapeur chauffant. Donc on chauffe ça dans la gorge, puis ça fait un petit effet calmant et de chaleur. Ça a été vraiment agréable, j'en abuse là, je suis sûre, je sais ça. J'ai tellement mal à la gorge que je suis sûre que j'en abuse. Donc, étant là, j'en ai profité pour acheter comme plein d'autres affaires que j'avais besoin. Comme mon nettoyant au charbon allait finir très bientôt, donc j'ai été trouver un nouveau nettoyant qui était en vente à 5,99$. C'est la première fois que je l'essaie, c'est la compagnie Simple. Je me suis promis de dire les mots en français quand ils sont écrits en français. Pas dire simple, c'est simple. Et je l'ai pris celui-ci parce qu'il était doux pour la peau et il était un nettoyant pour le visage hydratant. Et avec l'automne, l'hiver qui s'en vient, la saison va être un peu plus froide. La tendance au visage à se déshydrater est très 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 là, surtout chez moi. Donc je voulais un nettoyant que... m'aiderait à apaiser la peau. Puis jusqu'à date, c'est un peu spécial parce que c'est un nettoyant en gel vraiment compact. Comme un peu comme de la compote même, je dirais, ou de la gelée de pomme, ça ressemble à ça. Puis je vais vous le montrer. C'est vraiment... ça tient super gros. Ça fait un genre de gel mousse, donc c'est beaucoup moins irritant. Puis on se rend compte que le visage est vraiment hydraté. Dès qu'on a fini de se laver le visage. Même au début, je pensais qu'il était pas bien rincé, donc je rinçais. Ce que j'ai acheté aussi, parce que c'est l'automne et parce que c'était en vente, encore dans mes racks de fond d'allée qui sont dans la lumière tamisée qu'on voit pas puis que tout coûte pas cher, que j'ai acheté la dernière fois ma bouteille pétée, mais ça c'est un vieux vidéo là. J'ai acheté des chocolats chauds, mais aromatisés au rouleau, Coffee Crisp After 8. Que ça, je vais amener au travail. Donc, je vais me faire des petits chocolats chauds pendant que je travaille. Et ça va être comme super fun. J'ai... oui, c'est ça. Dans un des derniers de mes vidéos, j'ai vu que... Je pensais que c'était réglé, donc j'en parlais pas. Mais c'est un gros complexe que j'ai eu. Et j'ai les cheveux ici qui sont très clairsemés. Donc, on voit le fond de ma tête et on le voit comme creux. Donc, quand je vous parlais, je me rendais compte qu'on voyait mon fond de tête jusque là. On dirait que je fais de la calvitie et ça m'écœure. Donc, j'ai acheté de la compagnie Gush Professional
le régénérant pour cheveux parsemés. Aïe! Je sais pas si ça vous arrive, moi je suis toujours en train de sacrer des coups dans mes lunettes. C'est une relation amour-haine, c'est peut-être parce que ça fait super longtemps que je porte des lunettes, mais il y a toujours une relation amour-haine avec moi et les lunettes. Quand j'en ai pas, j'aime ça en avoir, puis quand j'ai une enfant, je suis tannée parce qu'ils prennent la place. Mais revenons à nos moutons. J'ai acheté encore là au Pharmaprix, et ça, je l'ai coûté, ça m'a coûté un petit peu plus cher, ça m'a coûté 14,99$ quand même, pour le traitement régénérant pour cheveux clairsemés de chez Gauche, qui est un produit que sûrement avec le long terme, je vais pouvoir vous dire si ça a bien marché, mais c'est un produit qui promet de volumiser et donner de la densité aux cheveux qui sont en avant. Donc, je fais juste quelques sprays. Je laisse sécher parce que les cheveux deviennent vraiment trempés. Et après ça, ça donne comme un effet de spray net, je vous dirais. C'est un peu collant et je veux dire, ça fait ce que c'est supposé faire. J'ai quand même l'impression qu'on voit moins mon fond de tête. Aussi, ce que j'ai acheté parce que j'étais due, puis parce que, bon, vous savez, je suis une fille vendue complètement à la crème bébé de chez Physician Formula. Est-ce que vous êtes comme ça, vous, quand vous êtes malade, tout tombe? Moi, je suis maladroite, tout me tombe des mains ces derniers temps. Donc, on revient encore. Je perds tout le temps le fil, c'est incroyable. Donc, j'ai acheté la Super CC Plus. Je l'ai acheté étant donné que j'avais le rhume, puis j'étais comme... Les yeux noirs, le nez rouge. Cette crème promet de corriger le teint de plusieurs façons. Il va cacher les spots d'âge, les cernes, les zones plus claires, en bref, là. Toutes les zones qui sont irritées, tous les défauts de peau, ça tout égalisé, les rougeurs, les décolorations, les petites lignes, les petites ridules, ainsi que les signes de fatigue, écrits en français. Oui, je trouve ça cute quand ils mettent un petit mot en français, là. Et je vous dirais, ça remplit sa promesse. Vraiment, je me sens un teint couvert complètement, même à rigueur, peut-être un tout petit peu trop épais, mais quand même, le teint est éclairé, le teint est égalisé, c'est ce qu'il me faut, j'étais très contente. Dernière petite chose que j'ai acheté. Non, j'ai encore acheté pas mal d'affaires. J'ai acheté, bon, parce que c'était en vente des déodorants à 2,99$ chacun. Faites attention, parfois une vente peut ne sembler bonne, mais ne l'est pas. J'avais vu ce déo dans la section des petits échantillons. Il coûtait 2,79$ et quand je suis arrivée dans le rack des formats généraux, le gros format était à 2,99$. Donc, je me suis dit que ça valait pas la peine d'acheter le 2,79$. Avoir la moitié pour 20 sous de plus, je traînerai le gros format, ça vient de finir là. Et j'ai aussi acheté un pour chez moi, parce que l'autre, il va être au travail, là, en tout cas. J'ai des déos partout, là, en vrai, c'est comme une craziness encore de mes affaires, là. Je l'ai acheté au bar de karité parce que pour l'hiver, j'aime mieux des odeurs qui sont plus comme ça. Bar de karité, cacao, lait enveloppant, des choses comme ça. Et l'été, ça va être plus des odeurs de fruits. Excepté le concombre que lui me suit partout parce que je trouve que ça sent propre et c'est tout. J'ai acheté aussi la pâte à dents Crest parce qu'elle était en vente à 2,79$. Je prends toujours la protection gingivite. Je trouve que ça nettoie vraiment le mieux parce qu'on dirait qu'il y a comme des graines dedans. Puis après ça, j'ai une haleine fraîche toute la journée. Et mon dernier achat que j'ai fait, c'est, je crois qu'on peut le trouver seulement au Pharmaprix, c'est de BioLife. C'est le diffuseur à tige de roseau parfumé. Et j'ai pris l'arôme, thé vert et mandarine. Ça ressemble à ça, c'est super cute. Mais je trouve qu'il est un peu tout nu, fait que je vais peut-être mettre des décorations dessus. Ça sent vraiment bon et je l'ai mis dans notre chambre. C'est une odeur qui n'est pas trop prenante, donc avec le temps de rhume, on sait tous qu'on respire par la bouche et que ça sent un peu bizarre dans la maison. Donc en mettant ça dans la chambre, le matin, ça sent bon. Alors c'était tous mes achats que j'ai fait au Pharmaprix de cette semaine. Donc si vous avez d'autres choses,
si vous connaissez la marque Simple et que vous avez des commentaires, s'il te plaît, s'il vous plaît, les mettre dans la barre en bas parce que c'est la première fois que j'utilise. Et si vous avez d'autres produits aussi que vous aimeriez que je vous en parle un peu plus, comme le gauche ou ma teinture Garnier, vous avez juste à m'en parler encore en bas. Si vous avez aimé la vidéo, vous avez juste à me laisser savoir avec un petit pouce en l'air. Ça fait tellement plaisir quand je vois ça le soir, je reviens chez nous. Je fais « Ah, mon Dieu, quelqu'un qui a aimé ma vidéo! » Je suis super contente. Et ce qui me fait encore vraiment plus plaisir, c'est quand vous vous inscrivez à ma chaîne. Surtout que c'est très facile. Vous avez un lien en haut, là. À l'envers, je sais vraiment pas. Je pense qu'il est là. Ce petit logo que si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Et on va pouvoir passer plein de temps parce que j'ai d'autres, plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous embrasse. Bye!